vous savez pas ce que c'est qu'un psychopathe. Moi je vais vous en montrer des psychopathes. Tu veux voir ce que c'est qu'un psychopathe? Regarde. Je sors à côté. Ça va pas, ça va pas, ça va pas. La machine n'a plus assez de batterie, donc elle y va plus. La deuxième a plus de batterie non plus. Mais qu'est-ce que c'est que ce mandrin de merde là? Putain de merde! Je peux bouger. Nickel. Petit coup de soufflette à la machine pour pas qu'elle s'encrasse entre chaque machin, entre chaque coupe. Je vais la mettre en place et on va redécaler pour remettre l'entame en bas. J'ai fait de la merde, mais je fais de la merde aujourd'hui. Hein. Il y a des jours comme ça, tu ferais mieux de rester au lit. Hein, maman, qu'est-ce qu'on dit? Tu rigoles toi, hein? Je fais tout le temps de la merde en fait. Non. Les écouteurs qui viennent de tomber. Décidément. Ah, ça veut pas. Ça veut pas. Je l'ai perdu. Je veux bien, ouais.
tout chaud. Attention. Ça va, de toute façon, après, oui. Combien là? Voilà. Et là, on sera en double croisement. Nickel. Moi, ouais, j'avais raison, hein. Une fois de plus, je vais jamais m'écouter. Bien le mettre de côté, ça nous sauvera peut-être la mise pour un petit endroit. Tout à fait. Faut déjà finir l'autre côté avant de finir ce côté-là. Ouais, tout à fait. Eh oui, là on peut plus continuer là. Eh oui, il faut qu'on fasse le recouvrement avant. Et après, on vient remettre ceux-là et après l'autre en recouvrement dessus. Allez, assez filmé pour aujourd'hui. Bon, on est le lendemain. Après avoir eu une journée difficile hier, un démarrage compliqué, long, fastidieux, tout ce qui va bien. Là, ça démarre un peu mieux, mais on a refait quelques modifications parce que j'ai fait n'importe quoi, hein, clairement, la patronne me l'avait dit, mais... dans mon entêtement masculin de vouloir avoir raison, eh ben j'avais tort. Une fois de plus, oserais-je dire. Alors, on a mis en place donc la deuxième partie du coffrage pour pouvoir continuer. Et ce que je ne faisais pas du départ, donc c'était eh ben, évidemment quand on arrive au-dessus avec un rang de laine, on coupe et la chute en fait comme du parquet. Hein, on la remet en bas, on redémarre, on coupe, on remet en bas, etc. Et quand on repart en vertical pour la deuxième couche, eh ben on va recroiser les joints horizontaux et verticaux, ce qui permet d'avoir aucun joint qui soit, on va dire, en coup de sabre, hein, comme la maçonnerie, l'un sur l'autre en fait. Hein. La deuxième laine supérieure, on coupe et on remet la chute en bas, et on redémarre, on coupe, on remet la chute en bas, etc. etc. Comme ça, jusqu'à la cheminée, on va faire les découpes, on va venir jusqu'ici. Et après, je passerai à la fin des voliges pour les mettre à fleurs de chevron, parce que ça, je ne l'avais pas terminé. Pour pouvoir mettre en place le deuxième niveau donc de coffrage, le coffrage de la gouttière, avec les petits renforts, mais je vous expliquerai ça au moment où on le fera. Là, on va aller voir sur la laine pour expliquer encore une petite particularité. Donc, on est sur la toiture. Donc ici, une laine entière. Ici, on coupe et je coupe à 90 degrés. Donc bien perpendiculaire, une ligne droite pour redémarrer avec le cul de la coupe ici, en bas. Sauf qu'en fait, ici, eh ben, on n'a pas une pointe de toiture qui est exactement à côté. Ah, ça va être compliqué avec le vent. Hein. Je vais essayer de me mettre un peu à l'abri. On n'a pas de toiture à 45 degrés. Donc on a dû adapter, recouper avec un angle de 13,5 degrés ici pour avoir en fait la coupe supérieure à la même pente que la coupe ici. Idem pour celle-là. Et ce que je vous expliquais, c'est qu'ici, la première couche, en fait, elle vient recouvrir. On arrive ici, c'est celle du deuxième côté qui vient recouvrir celle-là. Et en deuxième partie, eh ben c'est celle du dessus, là, qui vient recouvrir l'autre. Et la deuxième partie de l'autre côté viendra recouvrir celle-là. Ce qui fait que, au lieu d'avoir une coupe à 45 degrés, entre guillemets, une coupe de biseau en fêtage, ce qui ferait qu'il y aurait un joint continu qui ne serait pas étanche, eh ben là, ici, en fait, on vient croiser les joints, on vient les étancher, ifier. Voilà. Voilà la petite particularité, donc ça a bien avancé l'autre côté, comme vous pouvez le voir aussi. Là, il y a un petit écart ici, petite erreur de coupe. Je vais vous mettre en timelapse, si ça vous va bien, avec un peu de musique. Et on va pouvoir, ben, se regarder avancer, quoi. Allez, c'est parti, musique maestro.
la coupe, vous voyez. On a bien la coupe de biais avec un angle de 13,5 degrés. Autre chose, ça tient bien tout seul. C'est même difficile de le pousser. J'arrive pas, faut la lever un peu et la faire glisser. Sinon ça tient bien. Ça c'est pratique parce que ça libère les mains. Voilà. C'est ça qui est important, c'est qu'on ait les mêmes, le même angle avec la pente de l'autre toit. Et si c'est angle droit, ben ça fausse tout. Ce qui fait qu'on se retrouve avec quelque chose de propre ici, un assemblage qui est nickel. Et quand ça déborde un petit peu, c'est pour ça que ça a l'air un peu abîmé ici, je prends la scie Egoïne et je viens rapouiller un petit coup pour ajuster quand c'est pas tout à fait tip top. Voilà. Autre petite particularité, le tour de la cheminée, on avait bien fait remonter donc le frein vapeur le long de la cheminée sur le crépi et je l'ai tout mastiqué en fait. J'ai mis un mastic silicone tout le tour plus l'adhésif spécial étanchéité. Voilà, comme ça on est propre. Tiens, je vous montre la vue quand même pendant que j'y suis. Bon, troisième jour, on est dimanche matin, côté ouest, donc on est à l'ombre. Donc on s'est mis sur la terrasse et voilà, j'ai commencé à faire donc la deuxième couche. J'ai pas pu finir hier soir, j'ai peiné à faire proprement le tour de la cheminée, mais je suis vraiment venu les mettre au maillet en force pour les descendre. Elles sont super calées contre la cheminée, donc là, impeccable. Vraiment, il n'y a pas besoin de combler, rien du tout, c'est vraiment mis super bien, c'est vraiment plaqué. Bref, on a fait un test avec la scie et l'aspirateur. C'est pas concluant du tout. L'aspirateur arrive à éliminer la poussière pendant à peu près 3 secondes. Et après, de toute façon, pouf, c'est colmaté. Donc, je suis obligé de la démonter et de la souffler à chaque fois pour pas faire chauffer le moteur, pour pas faire peiner. Hein, parce qu'une fois qu'on a fait une coupe, ça commence à serrer dans le guide, donc voilà. Donc c'est fait pour ça. Maintenant, je sais pas, est-ce qu'il y a un truc qu'il faut modifier, que j'ai pas vu dans la notice, je sais pas, j'en sais rien. Ça va très bien, ça fait des coupes super propres, ça par contre là, il n'y a rien à dire. Mais voilà, ça bourre, alors est-ce qu'il faudrait étudier un système différent, j'en sais rien du tout. Donc là on va faire une coupe, et puis je vais vous reprendre un petit coup quand même, puisqu'on est à l'ombre, la caméra chauffe pas. Pour la partie ouest, on va faire ça ensemble tranquillement. Je mettrai peut-être un petit coup le drone, on va voir. On va se faire plaisir, quoi. Hein? On n'est pas bien, là, dimanche. Par contre, voilà, la machine, eh ben, je suis obligé de la souffler parce que ça bourre, quoi. Voilà. Bah écoute, hein, c'est pas grave, on fait ça à chaque fois et puis ça fait propre au moins.
Bon, je vous avais dit que je vous montrerai comment j'égalise. Ici, il y a un petit défaut, un petit désaffleur, c'est pas grand chose. Mais si j'ai un contre-chevron qui est posé là-dessus, ben je vais avoir un écart de 5 mm. Et c'est pas le contre-chevron qui va écraser la laine. Hein. Elle est, sauf s'il y a une vis dessous, mais sinon ça ira pas. Et à cette hauteur-là, il n'y aura pas de vis. Donc j'essaie d'arranger, on va dire, parce que je ne vais pas redescendre la laine à chaque fois pour la recouper. Donc facile, hein, on va prendre une scie égoïne. J'ai fini en fait, hein, j'ai été jusqu'où je voulais, même plus loin. Le plus long, ça a été les tours de cheminée. Une vraie galère, une vraie galère. Bon voilà, je suis pas tip top là-bas, là, mais ça ira bien. Voilà, on prend la scie égoïste. Je suis un peu loin et la caméra, c'est pas évident. Et on va venir m'awacher, moulchiner sur toute la hauteur, hein, puisque. Et voilà, impeccable. Voilà, c'était. Vous allez dire que je pinaille, hein, je sais. Vous êtes souvent à me dire que je fais du zèle, mais bon. Voilà, je vais pas y revenir 10 fois. Moi, là, c'est fait pour ma vie. Hein, puis celle de mes gamins, quoi. J'espère. Hein, donc, à moins qu'il y ait un mégot qui tombe sur la charpente en chaîne, quoi. Mais voilà. Allez, je vais balayer un petit coup. Donc, je finis ça. Je vais balayer le toit pour enlever bah, toute cette merde là. Et je vais faire les voliges, donc finir les voliges en pied de toiture. Et puis on va voir ensemble pour mettre le deuxième coffre, le coffre drive. Parce que là il y a une petite spécificité, donc pareil, hein, c'est dû à ma réflexion. J'ai pas trouvé trop de sujets là-dessus. Donc j'ai un peu. Je me suis arrangé avec ce que je pensais être le. Le mieux, c'est bien ça, le mieux. Allez. Si vous savez pas ce que c'est qu'un psychopathe, moi je vais vous en montrer des psychopathes. Tu veux voir ce que c'est qu'un psychopathe? Regarde, je vais te montrer ce que c'est moi un psychopathe. Regarde ma truffe de près là, regarde. Regarde le boulot. Regarde-moi ça. Bienvenue en 1890. Voyez Paul Massé, hein, c'est avec les chevaux. Regarde, Haute-Saône, l'ami. Eh oui. Regarde la maman. Et là, au niveau sécurité, on est au top. On est nickel. Là, je vais te dire, là, il n'y a pas de problème. Ah, la commission du travail, il a tout ce que tu veux, rien à foutre. Regarde ce que tu fais, tu mets le bras dedans. Hein. Et propre, hein, le machin. Non, c'est pas dangereux. Non. Non, ça craint rien. Non, j'ai pas gueulé quand elle m'a montré ce truc-là. Non, j'ai rien dit. Je lui dis vas-y ma chérie, si ça te prend le bras, ça te prend avec. Tout que je te dise moi. De toute façon, hein, c'est moi qui commande ici. Hein. Enfin, je commande le fuel, c'est tout ce que je commande.